les gobelets sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui débatte. Ce que préfère gobelets, c'est toujours un peu de ça. Les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Pourquoi déménager quand on peut ménager? Laissez-nous faire votre ouvrage, nettoyage. Et vous êtes une navine, gratine, papier tenturine. Grand ménage, avec courage, vaut mieux que rage, surménage. Personne ne veut nous faire travailler, personne. Ça fait rien, faut pas se laisser aller. Il faut vouloir, faut être disponible. Facile à dire, on est seulement deux, alors. Justement, faut mettre les bouchées doubles et travailler comme quatre. Ici l'agence de détective Lalou. Je voudrais parler au patron. Mais c'est moi-même, madame. J'ai la loupe qui vous écoute. Oh, pauvre ami, moi je me sers de mes oreilles. Pardon? Pardon, ah, c'est madame? Moi le patron. Mais c'est le patron qui parle. J'ai la loupe pour vous servir. Bon, vous avez une loupe, mais quoi, c'est normal pour un détective, non? Maintenant, soyez gentil, passez-moi le patron. Mais je vous répète, madame, que c'est le patron qui parle. La loupe, c'est mon nom. J'ai pour Gaston la loupe. Oh, ben, vous auriez pu le dire plus tôt. Madame, à qui ai-je l'honneur? La comtesse Soufflet. Ne vous pressez pas, reprenez votre souffle. Oufflet, c'est mon nom, madame Oufflet, comtesse. Ah! Madame la comtesse Oufflet. Bon, et que puis-je faire pour vous, madame la comtesse Oufflet? Eh bien voilà, je pars en voyage et j'aimerais avoir un détective pour surveiller mon appartement. Mais comment donc, madame la comtesse? La loupe, il sera en personne et en vitesse. Vous pouvez compter, madame la comtesse? Un charmant, ce monsieur. Toujours en chômage, alors. Ça fait bien 12 de 14, 22, 23, 14 portes que l'on fait depuis le matin. Faut pas se dépressionner, en tout cas, c'est toi qui l'as dit. Réactons. T'as raison. Ben alors, c'est la dernière fois, hein? Oh oui. Madame la comtesse Oufflet. Monsieur Laloupe, à quelle grande rapidité! Bonjour, madame. Je vous attendais avec une impatiente fébrilité. Entrez, entrez. Oh, mais vous êtes déguisée. Mais c'est ravissant. Ne protestez pas. C'est à l'incognito qu'on reconnaît le vrai limier. Oui. Et c'est à la statue qu'on reconnaît la liberté. Et c'est au singe qu'on reconnaît le bananier. Et c'est à la date qu'on reconnaît le calendrier. Et c'est au miaou qu'on reconnaît le chatouillé. Miaou, chatouillé, chatouillé, chatouillé. Non, dites-moi, cerveau perspicace, pourquoi vous encombrez-vous d'une loque aussi douloureusement intangible? Comtesse, ma reine, c'est trop fou qu'on reconnaît le cavalier. Quoi dire? Quoi répondre? Un trait si impulsif emporte mon esprit, monsieur, je n'ai qu'un mot. Vous êtes intransitif. Et voilà, vous êtes un transistor. L'étonnant calembour. Espèce de croûte. Non, laissez, je cause et j'oublie mon voyage. Messieurs, je vous en prie, faites comme chez vous. Ayez l'œil à tout, hein. Ne laissez entrer personne. Un cambrioleur est si vite arrivé. Au revoir. Au revoir. Impétueux janissaire. Au revoir. Ça y est, elle est partie. Je parle, complètement partie. Oui, alors partie, surprise, partie. Jamais! On ne savait pas là toutes les souris dansent. Lorsque mon amour danse les vacances.
veut être servie sur canapé. Oui, alors elle a dit faites comme chez vous, alors. Elle a pas dit détendez-vous. On est ici pour travailler, faire de l'ouvrage, du nettoyage, de l'époustage. Etc. Voilà. Et enlève tes pieds sales sur le canapé, lui. Ça coûte une fortune, ces trucs-là. On commence par quoi? On commence par enlever les objets précieux. Ça, c'est une bonne idée. Des cambrioleurs. Ah, je suis arrivé à temps. Du calme, la loupe, du calme, la surprise. Voilà l'arme secrète, le flagrant délit. Ça y est, ça y est. Vous les mains? Oh, sans blague, assez les blagues, hein. C'est pas une blague. Il dit c'est pas une blague alors. Oh ben alors c'est différent. T'as fini. T'as fini. Moi c'est sa faute à lui alors. C'est un grand bricoleur. Même pas les cambrioleurs, c'est clair. D'accord, d'accord. Et la comtesse, qu'elle va dire? Elle dira rien, elle saura pas. Je fais du nettoyage tout de suite. Ah, quel sang-froid. Ah, des professionnels, c'est sûr. De dangereux criminels. De l'astuce, la loupe, de l'astuce. Bon, on a fini les objets précieux. Oui, alors. Ça paraîtra pas comme ça. Oui, alors, on n'a pas fini. C'est drôle, alors. Et le cheval? Le cheval, quel cheval? Le cheval, là, le drôle de cheval avec des cornes. C'est pas un cheval, mon cher. C'est un cerf. Oui, à quoi ça sert? Viens, petit cerf, viens voir ton petit sol. Viens. Mais pourquoi il descendra pas tout seul? Il faut le décrocher. Oui, oui, bouge pas. Tiens, ton pied. Tiens, l'autre pied. Tu comprends rien, ces meubles-là, faut pas marcher là-dessus. Attends. C'est précieux, peut-être. Mets tes pieds ici. Mais bien. Tu es bon pour moi. Vas-y. Ça y est. Sur mes épaules. Ça y est. Attention, doucement. T'es passé haut. Il lève encore. Non. Oh, mais ça sera pas long. Heureusement, tu me tiens. Oh, 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 laisse-moi. Laisse-moi. Est-ce que tu l'as? Je l'ai, je l'ai. Attends. Je l'ai. Viens. Viens. Oui, je l'ai. Si je l'avais, tu me retenais en haut, des drôles. Allez, fais une petite risette, ta gobelet. C'est pas drôle, ton animal. Il a l'air triste, c'est vrai. Je sais pourquoi il est triste, alors. Parce qu'on a été vilain pour lui. Comment ça? On a pris seulement la tête. On a laissé les petites pattes et la petite queue dans le petit mur. Mais tout le monde sait qu'une tête empaillée, ça n'a pas de pattes. T'es sûr? Mais certainement. Tiens, pour l'instant, va porter ça ailleurs, dehors. D'accord, d'accord. À la porte, je le mets. Merci. Isa, de rien. Ah, ça fait plaisir. Oh oui, alors, au revoir. Voilà ma chance. Ah, ce cerf me servira. La loupe se sert de tout. Ce cerf me servira de cheval de Troie. Oui, gobelet, gobelet. Tu sais quoi? Le cerf, hein? Le cerf, il est vivant. C'est vrai, très énormément vivant. Oui, il est vivant, il est vivant. Il marche. Avec ses petites pattes. Non, alors, il va sur pas. Non, j'ai entendu me dire merci à moi. Et alors, ça prouve qu'il est poli, c'est tout? Oui. Je suis sûr, ses petites pattes, sa petite queue sont restées dans le mur. Bon, c'est impossible. C'est pas impossible, c'est vrai. Je suis sûr, elles sont là, je le sens alors. Oh, je suis triste pour lui. Ah, ah, j'ai de la peine. Allez, ça suffit, hein? Stop, arrête. C'est bien, alors, qu'elles sont dans le mur. Tu veux la preuve? Oui. Lâche.
T'avais raison. Qu'est-ce que je te disais? T'avais raison, complètement. Il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de cul dans le mur, c'est vrai. C'est bah, vrai. Évidemment. Oh, oh, elles sont pas dans le mur, les pâtes, elles sont là. 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 Voilà une tête qui a du front. Passe-moi la trousse de maquillage. Voilà, voilà, voilà. Une seconde, voilà, voilà. Du crayon. Et là, voilà. Regardez en haut. Un peu de poudre. Ouais. C'est pas très bon. Hein? Comment tu dis? C'est pas très bon. Oh non, alors, ça c'est... Oh, il a pas l'air content, dis donc. Tu serais content avec une tête pareille, toi? Moi, je me jetterais à la poubelle. Ouais. Ça, je ferais. Oh, dis donc. Oh, efface pas tout ça. Pour l'effacer, c'est ouais, pas c'est bon. Raté. D'accord, d'accord. Oh, alors, je suis passé trop fort. Ouais. Je suis passé trop fort. Il a eu peur. Il a eu peur. Il est parti. Ça fait rien, c'est pas mal comme ça. Hein? Tu trouves? Ah ouais. Oui, l'expression est meilleure. Il y a quelque chose de dégagé, d'ouvert. Ça a l'air moins bête. Ah ben, c'est ce que j'ai fait de mieux jusqu'à maintenant. Ah oui, alors, faut rien, faut pas retoucher ça. Oh non, alors. Ça, laisse tomber, viens m'aider. D'accord, d'accord, voilà, voilà. De la patience, du sang-froid, je les aurai. Installe l'échelle, moi je m'occupe du reste. D'accord, d'accord, d'accord. Oui alors, oh, oh, on va faire du peinturing. Mais non, on va mettre de la tapisserie. Ah, oh, du papier de tenturine qu'on va faire. Oui, alors, l'échelle est toute installée, mais je te préviens, alors elle a l'air très dangereuse. Mais non, c'est une échelle qui est faite exprès pour grimper à deux. En tout cas, j'ai très peur énormément. Mais non, t'énerve pas, tiens. Fais comme moi. Et si tu as peur, eh bien, ferme les yeux et compte. D'accord. Un, deux, trois. Je ferme les yeux. Voilà. Un, deux, trois. Bon, qu'est-ce qu'on fait en haut ensuite quand on est rendu en haut? Mais on pose le papier et la colle. Ah, bouge pas, je vais aller chercher, j'ai oublié. Mais non, ça ne fait pas ça! Ah! Oh, oh, là, là. Je t'avais dit que c'était dangereux, espèce de croûte! Un peu plus, tu m'aurais suicidé! Oh, là, t'es drôle! Et toi, là, tu fais ce triple filin! Regarde ce que t'as fait à la pauvre armoire! Oh, tout est grabouiné, vilain! Ma petite croûte, c'est pas moi! C'est l'échelle qui a fait ça parce que tu l'as laissée tomber! Et elle est tombée! Comme ça, elle est tombée! Elle tombait fort, alors! Parfaitement! Pourquoi tu ne disais pas que t'étais fragile, petit? Oh, ben c'est comme ça, une armoire, tu vois, c'est bête! Ça se passe des fois. Oh, oui. Imagine un vilain voleur qui arrive ici. Qu'est-ce que vous voulez alors? Et deux vilains voleurs. Et deux vilains voleurs. Oh, c'est pire. Et l'armée de vilains voleurs. C'est quoi?
revoir plus jamais pour affaire du préserving de trésors de comtesse. T'en fais pas, gobelet, là. Donne-moi le marteau. Marteau, le marteau. Un clou. Un clou, un clou. Oh. Elle est bien fermée. Elle est bien fermée. Attends, vas-y. Bien quoi? Je sais pas. Laisse-moi aller alors, vilaine armoire. Ça suffit. Elle me parle. Oui, la vilaine, laisse-moi partir. Stop. Quoi faire, quoi faire, quoi faire? Donne-moi la passe, monseigneur. Hein? La passe, monseigneur. Voilà. Oh! Voilà. Oui, alors, extraordinaire, complètement extraordinaire. Je suis lâche. Oui, maintenant, c'est pas de... Tu vas la reclouer, peut-être? Non, c'est inutile, il n'y a plus rien dans l'armoire. Ah, c'est vrai, alors. Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a pas besoin de tablette. Ça, c'est vrai! Voilà, voilà. Ah, là, c'est mieux. C'est pas très joli. Attends, attends. Voilà, voilà. Ah, c'est propre. J'y vais encore très joli. Quoi faire alors tu... Attends, j'ai une idée. Et alors? La scie. Ça va être d'eau. Comment d'eau? La scie d'eau. Une espèce de grosse, la scie. Pas mal aux dents? Les gorilles. Oh, je suis bête. Oh, voilà. Merci. Oh, voilà. Oh, une armoire comme chez nous. Oui. Oui. Seulement quand ça sera fermé, on pourra pas le faire. Tu vois, qu'est-ce que ça fait? Bien. Bien. On pourrait pas le poignet, parce que... Mais il y a rien là-dedans. T'aimes pas le poisson? Le poisson. J'ai pas de poisson, j'ai oublié le poisson. J'ai oublié le poisson. Et ça alors? Pas ça, pas ça. T'as un doigt. Oh, ya, 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 ya. Oh, oh, non, non, non. J'ai plus de doigts, pauvre petit doigt. Ça, hein? Quoi? C'est vrai que ça ouvre bien. C'est vermoulu, alors. Une vraie belle armoire, comme chez nous. Mais sauf que chez nous, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de guéridon, il n'y a pas de canapé, il n'y a pas... Ça, c'est vrai, faut faire ça. Il faut tout enlever pour faire le grand ménage. Pauvre petit tapis, il faut battre. Arrête de prier comme ça. C'est pas moi, c'est le tapis, alors. Pauvre petit, que tu le bats. Oui, ça y est, il éternue, tu vois. Ça, c'est bizarre. Ça sert à rien, tu sais. C'est pas bon, le balai. Faut le laver dans la baignoire. T'as raison, dans la baignoire. Ça, on aura la paix.
Alors, on fait du coin maintenant, du papier tenturé. Voilà. La colle. La colle, la colle. Toi, prends le papier. D'accord, d'accord. On commence tout de suite. Non, il faut d'abord mettre la colle. Mettre la colle, alors. Mettre la colle. Espèce de croûte. Ça colle pas, ça colle pas. On met pas la colle dans un trou. Faut mettre la colle sur le mur. Parfaitement. La mur, alors. Il faut commencer. J'ai pas dit sur le mur d'en face. Sur le mur d'ici. Il faut commencer par le réparer. Allez-en, alors. Faut trouver tous les morceaux. D'accord, d'accord. Prends un petit morceau sans rester dans le mur. J'apporte la colle, ça pourrait être utile. Enfin de retour. Alors, dis, hé, ça n'a pas pour toi. Ah, il n'y a rien. Ah, je les aurais. Je les aurais. Voilà un troisième larron. Allez. Vous n'étiez que deux. Oh, c'est un brut immonde. Ah, madame, c'est vrai, ça. Encore une fois, bravo. Et merci, monsieur Lalouf. Merci. Merci. Ça ne me fait rien, je ne veux pas vous faire de peine, madame. Mais alors, ce n'est pas une petite noupe, c'est un petit gobelet. Squish. Ce n'est pas monsieur Lalouf. Lalouf, c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas monsieur Lalouf. Ah, ce n'est pas monsieur Lalouf. Pauvre gobelet, t'as pas eu le temps de compter les sous, alors. Oh, ça fait rien, je compte encore, mon gars. Voilà. Tu comptes comment? Tu comptes sur tes doigts? Mais non, je compte sur mes jambes.